marche. Ça va vivre la séance de tir. À la date, tu connais pas Werrason. Ah, c'est les Benin qui débutent, hein, qui débutent premier tir. Mon ami, ah, faut croiser les doigts, hein. Ça c'est le premier tir. Ça peut pas tirer. C'est dedans. Comment il réussit? Florian. Comment il réussit de Benina. Le Benin joue aussi son premier tir. Le public pousse. Dit ce spectacle, le public congolais. Attention. Oh, contre-pied parfait. Un très bon penalty tiré par le joueur nigérien de Sar 11. Ce sera autour du Niger aussi. Premier arrêt, ce sera pour les Nigériens. Quel très bel arrêt des Nigériens. Qui a l'occasion de passer devant. Attention. C'est effectivement un arrêt magistral. Il y aura la tension. Ça ne sera pas en fait des points. C'est une question de l'administration.
secrétaire général. On va essayer de revenir. C'est dedans. Du Niger de tirer son troisième pénalty. Attention, oh quel contre-pied. Son deuxième penalty en cas de réussite au prochain tir nigérien, ce sera une victoire. Le bronze sera remporté par le Niger qui va s'offrir la troisième place. On vous rappelle, ils étaient menés au score, ils ont égalisé dans les 10 dernières minutes et voilà, ils sont devant dans la séance de tir au but. C'est maintenant l'occasion pour eux de pouvoir faire la différence et de conclure la compétition en terminant la troisième place. Donc il y a l'occasion d'entrer dans l'histoire de ces 9e jeux de la francophonie. Terminer troisième en attendant la finale. Se jouera demain au stade de Martyr. La soirée s'apprête. Oh, c'est dedans. C'est terminé. Pratiquement terminé, le Bénin est largement devant. Pratiquement 4 contre 2. Bénin est sous pression parce que en cas de raté, ce sera la défaite actée. En cas de ce sera ce penalty hein, qui va décider du sort de la rencontre.
Ouais.